sa mère, elle était là. On était deux. Il y avait d'abord une baraque, comme ça, encore, du côté, de l'autre côté de Jo. Et ensuite, tu as là, sa mère qui est parallèle à la rue de la Ferme. Et là, on avait un qui est venu de Norvège. Et puis, il est venu voir l'année dernière, le 14 juillet, c'était. Je crois que c'était même il y a 2 ans déjà. Il est venu voir la maison de ses parents. Oui. Il a pleuré. Ah, il avait des larmes. Hein. Oui, c'est impressionnant. Hein. C'est fou, tout à fait. C'était une histoire. Voilà. Et là, on va bien se voir. Il y a le chronophage qui l'a dit. On rentre là-dedans. Là, on va rentrer. Ça fait le tour. C'était une petite rue. Une petite rue, ça. Une petite rue, elle ressort de nouveau chez Joe. Voilà. Et là, il y avait un chronophage. On a marché à la prochaine. On pense en même temps aux gens qui ont vécu. Oui, c'est ça, quoi. Alors quand tu vois parfois tu trouves des petites chaussures, grands francs là, tu vois des trucs comme ça. Hein, c'est tout, hein. Après, c'est pour bon, moi, écoute, le seul souvenir que j'aime, oui. C'est un souvenir qu'on m'a raconté. Oui. J'étais dans une poussette. Oui, et oui. Puis que les gosses qui étaient plus âgés que moi m'ont laissé dégringoler dans la rue. Ah oui. Ils m'ont bien poussé, là ils sont poussé, tous marrés. Ils ont attendu que je me casse la gueule. Hein, et parce que une baraque après vous, il y a un virage. Il y a le virage. Et ça descend. Le virage vers là. Ouais. Et là-bas, il y avait le van. Un début d'explication. Voilà. Ah, voilà. Mes troubles. Oui. Ah, j'ai pas pensé à ça. Là. Oui. Là, il y a une fosse aussi. Ça, c'était une dalle qui recouvrait la fosse. Ouais. Tu vois, ça, c'était aussi une baraque. Tu vois? Oui. Alors, d'abord, je me raconte aussi ce fameux. Le fameux bâton avec pour la gamelle au bout. Sortir des WC. Pour sortir des WC. Oui, enfin, oui, pour sortir le contenu des WC. Dans le jardin. Et oui. Rajouter, mais qu'est-ce que les légumes étaient bons? Oui. Bon, monsieur, voilà, on arrivera tout de suite encore à l'autre rue. C'est-à-dire oui, la rue des Strapins. Ah, hein? À 1 mètre, on a... Voilà, ça va, pour marcher. Mmh. Tu veux encore marcher un peu, ou gâteau, t'arrives plus. Oui, ça va. T'as du mal. Hein? Oui. Ça, non, non, ça ne dérange pas. Hein? Tu vois, tu peux retourner en retour. Hein? Bah, écoute, je vous laisse, là. Hein? Oui, je crois que là, on ne verra rien de plus. Hein? Non, on ne verra rien de plus, mais tu auras comme à l'autre rue. Les explorateurs d'un monde oublié.
bel et bien. Parce que nous, l'évier que nous on avait, il était fait avec de la pierre, tu sais, comme des pierres, toutes des sortes de couleurs là. Et puis il y avait la pompe, elle était là. Elle était à la première qui était perpendiculaire. Je ne sais plus si c'est maintenant entre la première et la deuxième, je crois plutôt à la première. Il y avait le puits, la pompe à eau, il y avait encore des gens qui faisaient un peu la queue pour y aller. Et le virage, eh ben, il est là-bas. Et le virage, il rentre vers là-bas. Il continue. Encore deux. Il retourne sur la rue. Oui. Bon, quand il tourne comme ça, oui, il retourne sur la ferme. Mais à un moment donné, ça descend aussi. Ça descend, il y a une pente descendante. Et là, il y avait un Muller qui habitait. Muller Gilbert, oui. Et là, il y avait un Muller Gilbert qui habitait, et Clément le connaît bien. Et son père, ce Muller Gilbert, qui habitait, comme je t'ai dit, dans la descente, il avait une traction avant. Et tu sais ce qu'il a fait avec la traction avant? Il a enlevé la partie arrière de la carrosserie, hein, où les gens s'assoient derrière. Il l'a transformé en pick-up. Et il l'a transformé en pick-up. Si, si. Et ils ont acheté un terrain à Gobivin. Gobivin, tu sais où c'est à peu près? Oui, c'est oui, pas oui, tellement loin d'ici. Oui. Forbach, direction Bouchbach là-bas. Hein. Et nous, le dimanche, le samedi ou le dimanche, on était enfants. On était contents d'aller avec lui, avec son père, là-bas, à la campagne. Parce que surtout derrière, ils avaient un petit ruisseau. Où nous, ce petit ruisseau, le jour le connaît aussi, parce qu'on était à Bouchbach, au centre aéré. Et c'était pas loin, tu vois. Et nous, on allait là-bas. Et on devait travailler quand même un peu chez son père. On était jeunes, on avait 12-13 ans. Hein. Alors nous, on était sous le toit, et on devait boucher. Ils avaient à l'époque, il n'y avait pas de tuiles, c'était comme ici, les tôles ondulées, là, les éternites, les plaques éternites, exact. Et tu sais, à chaque truc de plaque éternite, il fallait coincer quelque chose dedans, comme c'est une sorte de caoutchouteux, là, comme de la pâte à modeler. Je ne sais même pas pourquoi ça a une drôle d'odeur. C'était un mastic. C'était une sorte de mastic qu'on devait boucher là. Alors nous, on faisait ça pendant 1 heure à 2 heures, et après on allait s'amuser. Et son père, il continue à bricoler, mais on était toujours content de rentrer avec les piques. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures, tu vois. C'est fou, hein. Une belle sortie. Oui, oui, tout à fait. Là, on est de nouveau au premier marronnier, enfin. Oui, oui. Attention, là, hein. Oui, oui, il y a une ferraille qui dépasse. Voilà, allez, on va faire encore une photo. Voilà, on va faire encore une photo. Ouais, ouais, mais voilà. On va voir si on arrive à faire. Ouais, ouais. J'aime beaucoup. Mets-toi plus vers là, tu sais pourquoi? À cause de la lumière de... Reste du côté là. Reste mieux du côté là. Non, tu sais pourquoi? Reste de côté là, viens voir. Avance un peu, parce que là, stop, arrête-toi. À cause du visage qui était à moitié dans l'ombre, moitié dans le soleil. Tu vois ce que je veux dire? Hein, tu connais, hein? Hein? Voilà. Voilà, on va faire la photo comme ça. On va la refaire comme ça. Attends une seconde. On va la faire un peu de loin pour qu'on voit plus le pommier aussi. Merci. C'est très bien. Eh bien, voilà, c'est comme ça. La nature, c'est comme les femmes, ça n'oublie jamais. Hein? La dernière fois, on a trouvé quelque chose là. Hein? Pas devant ta baraque. Hein? Mmh.
mais pas loin, hein Clément? Mm-hmm. Eh bien, on te l'offrira le 10 septembre. Hein? Ayakol. Ayakol? Non, non, je ne parle pas bien Ayakol. Voilà, ça fait de la roue. Et regarde, ça fait partie de ça peut-être. Et voilà, ça la roue avec. Tu vois, ça doit faire ça. Laissez dans la nature, ça fait bien. Hein? Hein, ça doit être ça. Ça fait partie de ça. Une noix. Oui, 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 oui. Oh, elle est belle, hein. La croix... Oui, oui. Elle est jolie, hein. C'est la croix occitane. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Ça, c'est d'époque, ça. Non, il n'y a pas le jeu de la nature comme ça. Oui, non, c'est dingue, c'est dingue. Oui, ouais, voilà. C'est une petite fiole de... Oui. Voilà. Il y a un V dessus. Le V, là, me dit quelque chose au niveau publicité. Valentine avait un V comme ça pour sa peinture. Bon, c'est pas... Non, non, c'est pas de la Vuitton. Peinture. Non, non, c'est pas... Peut-être Vuitton. Un truc allemand, Clément, tu sais. Il m'a donné du clé, il m'a donné. En tout cas, c'est une jolie bouteille. Oui, hein? Jolie bouteille, sacrée bouteille, ouais, sûr que c'était pas du vin. Il était déjà là. Il était déjà passé. On n'a pas pensé à prendre le mètre avec pour mesurer la circonférence. C'est vrai aussi, Clément. On n'a pas une ficelle. La circonférence. Mais de l'arbre. Oh. Hein? Et moi, je dirais 3 ceintures, on n'arrivera pas à faire le tour. 3 mètres. Tu peux dire 30 mètres. Hein? Non, non, la de l'arbre, le périmètre. Moi, je pense qu'il fait presque 4 mètres. C'est par 3, donc il fait au moins 1 mètre 30. Bah oui, on dit 1 mètre, 1 mètre 50. 1 mètre 50. Fois 3, ça te donne le... 4,50 m de circonférence. Il est beau, hein. Il est beau aussi, hein. Non, peut-être 3,50 m. Ah oui, c'est pratiquement 5 mètres dans les 1,50 m. Ouais. 2 plus 2, et il me reste encore un bout de l'autre côté, donc il fait ça, oui. Ouais. Tiens, regarde, là, il y a des minéraux même. Hein? Oui. Voilà. Ça, c'était dans les clôtures de la ferme. C'était les clôtures de la ferme, mais la ferme, elle était quand même séparée. Disons, il y avait quand même une clôture entre la ferme, ouais, et les baraques, parce qu'il y avait une... Derrière les baraques qui appartenaient aux... D'après le plan, hein, oui, il n'y avait que 15 mètres de jardin derrière les baraques. Et le reste, c'était, ça faisait partie de la ferme des Mullers. Voilà. Il y a énormément de cerisiers dans cette forêt. Oui, ben, les cerisiers, eux, ils se... Tu vois, ah, avec oui, le temps, eux, ils... Oui, c'est pour les gens. Voilà, ils arrivent, non ? Oui. Le premier, oui, par rapport à ici, on n'est pas trop loin. Hein? Oui, ça peut correspondre tout à fait à la photo. C'est ça, il y a la vie avant. Oui. Et ça va, maintenant, là, par contre, c'est des vies. Hein? Tu fais attention, pas trop loin. Hein? Oui. Je ne vais pas t'arracher. Hein? D'accord. Voilà. Non, je vais faire du mal. Ça fait beaucoup. Là, tu arrives passer, là, hein? Oui. Ah ben là on voit de nouveau une cave. Hein. Ah. Ça, c'était le, ça c'était le trou pour la cheminée. Pour la cheminée, pour le fourneau. C'est pas les WC. Hein. Et ici, ce sont les fondations de la maison. Mmh.
Ça, c'était déjà du, alors, du bloc d'amour. Donc l'escalier est là. L'escalier est là. Ça c'est une extrémité là. Et l'autre, c'est voilà. Au milieu. C'est contre... Voilà, là il y a l'escalier. Hein? Après, lui, l'escalier, il est là. Là, il y a l'escalier. Tu vois? Donc, par là, tu arrives mieux. Il est escalier. Et ça, c'est Clément qui avait la bouteille là dans la main quand on a fait la photo. Tu te rappelles la photo avec le, la bouteille? C'était Clément. Il avait la, la bouteille dans la main. Voilà. Et pas... il me semble que c'est effectivement, maintenant que je vois l'arbre là par terre, ce qu'on avait retrouvé avec Georges à l'époque où on est venu avec lui. Normal, puisque c'était encore pas moins, plus dégagé quand même. Hein. Ouais. Hein? Et là, il y avait là, ça c'est la rue de la Frontière, là. Oui. Tu vois? Voilà. Alors ça, c'est le côté, c'est la cave, côté là, et c'est, là, il y a l'autre cave. Hein? Ça, c'est normalement l'entrée côté A. Côté A, c'est toujours le côté vers la route. Le côté B, il est de l'autre côté. Hein? Et les gens du côté B, ils passaient par là-bas, pour rentrer. Hein? Là, c'est que c'était le côté A. Voilà. L'escalier du côté B, il pour rentrer dans la baraque, c'est là-bas. Ça, c'est l'escalier d'entrée côté A. Parce que à la ferme, c'était toujours le côté A qui était côté route. Et le côté B, c'était le côté jardin. Voilà. Mais quand les gens ils avaient la baraque entière, eh ben, ils rentraient toujours par le côté A. Et là, tout droit, tu as le KGB. Alors, le KGB. Alors, quand tu montes l'escalier, tu as d'abord un mètre de large de... Comment on appelle ça? Palier. Le palier, oui. Un mètre de large de palier. On a mesuré avec les mains. Après, tu as un mètre de large sur 3 mètres. 3 mètres, ça faisait 3 mètres. Hein? Et ensuite, le KGB du côté A, la profondeur, 3 mètres de large. Profondeur 2,50 m, tu as de nouveau tout de suite dans la foulée le palier de 2,50 m, plus 1 mètre, hein, tu vois, le palier pour l'autre entrée. Donc la profondeur, c'était 2,50 m pour les KGB. Joshua Lucky, le blessé, il avait les deux KGB. Ça veut dire 2,50 m fois 2, 5 mètres de profond et 3 mètres de large. Voilà, ça c'était chez Joe Suroviki. Mais eux, ils avaient toute la baraque et les deux caves. Alors comme il avait dit, dans l'une cave, ils avaient mis les... Ils avaient le charbon et le bois, quoi. Hein. Et dans l'autre, ils avaient les pommes de terre, un peu la nourriture pour les animaux, etc. Voilà, tu vois. Est-ce qu'on connaît à peu près la profondeur des caves? Les caves, eh bien écoute, là où moi, je n'allais pas dans les caves des autres gens, mais chez nous. Hein? Chez nous, là où moi j'habitais, la cave, tu devais te baisser pour rentrer dedans. D'accord. Et puis mon père, il a agrandi la profondeur, il a fait plus profond pour qu'on puisse se mettre debout dedans. Il a creusé pour mettre les pommes de terre, tu vois, etc. Hein? Il y a plein de mineurs qui ont fait ça. Voilà, ils ont fait ça. Et puis... À Pierre-Roche, la cité Pelle-Roche, qui était aussi une cité provisoire, qui était à peu près dans le même style. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter des caves là-bas, parce qu'on faisait les modernisations. Mmh. Il y avait des mineurs qui sont amusés aussi à creuser. Puis, tu te serais cru dans une galerie de mines. Ils étaient du métier. Pour soutenir. Ah soutenir la dalle. Et oui. Mais les gars aussi, d'une inconscience. Parce que c'était peut-être des bons mineurs, mais c'était pas des maçons. Hein. Oui. Ils sont venus déblayer jusqu'au niveau des fondations. Oui. Bon, c'était quand même des baraques, alors c'était pas tellement lourd à la limite. Hein. Mais moi je connais, tu sais, là où il y a où Joe Suroviki habitait. Oui. Hein? À un moment donné, il y avait là où il y avait le tronçon, la photo avec le tronçon, tu l'as vu cette photo. Oui. On te montre après. Il y a une descente.
où on faisait du traîneau à l'époque. Hein. Et dans cette descente, les maisons qui étaient surtout du côté, bah, du coup, droite et gauche, les maisons de part et d'autre, ils avaient un haut escalier. Ils devaient monter au moins 7-8 marches pour rentrer dans leur maison. Et leur cave, elle avait au moins 2 mètres de profond. Voilà. Oui, comme ils étaient hors sol. Voilà. Et moi, je connais un, il s'appelle Günther. Hein. Günther, Clément, c'est la Günther, comment elle s'appelle? Marceline. La Marceline Günther. Elle a tout, à l'époque, quand elle était enfant, on était tous des gens pauvres, assez pauvres. On allait chercher du pissenlit, hein, revendait comme ça pour avoir un peu d'argent de poche, qu'on revendait à la ferme. Et son père, à elle, le Günther, il avait des lapins dans la cave. Il avait beaucoup de lapins, mais tout était bétonné, c'était propre, nickel. Hein. Et pour rentrer chez lui dans la cave, de dehors, tu avais une porte que tu rentrais et tu sortais. Tu vois, au lieu d'avoir au lieu d'avoir la petite trappe pour jeter le charbon dedans, comme nous tous en avions, eh ben, eux, ils avaient une porte. Et lui, il avait beaucoup de lapins. Et il allait toujours chez nous pour ramasser du foin pour ses lapins. Nous, on avait aussi quelques bêtes. Hein. Et puis, avec la faux, c'était le spécialiste en faux pour faucher l'herbe à la ferme de Chenet. Tout le monde a demandé le père Günther pour couper l'herbe. Et il avait toujours encore sa, tu sais, une couronne de trucs là. Oui. Tu sais, hein, c'était... La pierre à aiguiser. Et la pierre à aiguiser dans la corne, là, tu sais, dans la corne qui est creuse là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 à l'époque, il avait ça à la ceinture et la faux. Et puis il allait, il fauchait. C'est mon père, il faisait ça aussi. Oui. Et moi, je l'ai fait aussi. C'est bien, c'est bien. Il fauchait bah, oui. Pour les lapins. Oui, oui, vous, ça, tout le monde avait des lapins, vous aussi. Ouais. Ton père, tu sais, maintenant, moi j'ai l'impression que je le connais. Depuis le début. C'est fou, hein? Comment ça imprègne, hein? Déjà des photos et tout ça. Et quand tu vois tous les gens qui y habitaient après, à un moment donné. Surtout que toi, dans ton souvenir de gosse, les photos, c'est vraiment leur physique qu'ils avaient à l'époque, quoi, que tu as pu garder en mémoire. Quoi. Ah, bah oui. Oui, oui. Et puis tu vois les gens devant leur baraque, là, faire leurs photos, là, c'est magnifique. Ouais. Hein? Non, mais il y avait de la vie. Hein. Oui, mais tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai, on n'est pas loin du chemin d'ici. Mais non, c'est un coin de la route. Hein. On n'est pas très loin, mais on a du mal à passer. J'ai essayé la dernière fois. Oui, mais il y a ce bouchon juste à l'entrée là-bas. Ouais. Mais par là, on arrivera à aller un peu, on te montre l'autre rue. Ouais, c'est pour marquer le coup. Voilà, en tout cas, on peut dire que là, la photo, elle est faite devant ta baraque. Hein? Devant tes racines. Voilà, viens, on en fait encore une. Voilà. Allez, on a mis comme ça. Ouais. Et ben. Il y en a des photos qui étaient prises ici. Hein. Tu parles. Toute la famille. Tu sais, nous on en fait beaucoup des photos là. Ouais.